Bonsoir à toutes et à tous. Il fait encore, enfin, pas bonsoir, bonjour pour moi. Il fait toujours un très beau ciel bleu. Et on va bientôt se prendre quelques petites catastrophes sur Mars. J'ai un petit peu réfléchi au jeu. Et actuellement, je crois qu'il serait une bonne idée. Oui, on a 464 métaux. Mais j'en ai encore plein, je dois en avoir 600, 700 minimum. Et je vais dire, il ne faut pas tant de choses que ça, il va me falloir du métal pour, surtout, pour l'usine de pièces détachées. L'usine de pièces détachées me prendra un métal pour construire une pièce détachée. Donc c'est pas très important. Je crois que je vais... supprimer ceci, tout simplement, et construire le second dôme ici. Même si on ne peut pas directement récupérer le métal qui sera ici, parce qu'on n'a pas encore la bonne technique, même si on ne peut pas récupérer les métaux rares ici, parce qu'on n'a de nouveau pas la bonne technique, on finira par la débloquer, et j'espère que ça se fera avant que je n'ai plus de métal. Donc, je vais plutôt opter pour ceci, pour ce dôme-ci. Mon principal problème actuellement étant la surpopulation qui va bientôt arriver dans ce dôme. Mais il me faudra de toute façon un centre de navette pour pouvoir envoyer les colons de l'autre côté. Donc au lieu de... ici, j'ai une route qui venait d'ici vers le bas. Je vais la supprimer. D'ailleurs, je voudrais d'abord récupérer ceci. Voilà, on va travailler comme ceci. J'ai changé une touche de raccourci. Je n'ai plus pris ma barre d'espace. J'ai pris une autre touche qui ne fait pas de bruit. Parce que ma barre d'espace faisait un clac-clac-clac tout le temps. Et je suis certain que ça devait vous ennuyer sérieusement. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, j'envoie le monsieur là-bas. J'ai fait mes petits changements de population. On tourne toujours à du 1.5 ici. Je me rends compte ici qu'il est quand même bien utilisé. Et on va checker un petit peu pour voir les personnes s'ils n'ont pas de problème. Un colon va plus satisfaire. Ça, c'est pour les jeux, donc on ne sait pas. Mais bon, comme j'ai de la place de libre, autant travailler avec rajouter des choses qui ne me coûtent pas cher. Et qui peuvent un petit peu aider les gens. Par exemple, une crèche va permettre d'augmenter énormément le confort des enfants immédiatement et de libérer de la place. De plus, je vais construire on va mettre un petit jardin de pierre ici dans le coin. Voilà. On va placer tout ça en 1. Voilà. Et en 1 ici. Je vais également regarder ce qui va bientôt nous tomber sur le nez. Ah oui, une chose aussi, on a sorti une nouvelle tech qui nous permet d'augmenter de 25% pour 10 d'énergie supplémentaire. L'énergie actuellement, nous en sommes à 60 pour 48, donc on est bon avec le nombre que nous avons d'éoliennes actuellement. À peu près bon, mais comme on va avoir également une tempête de poussière dans 3 sols et 2 heures, ceci ne va plus être de 20, mais de 25. Donc on va être tranquille pendant la tempête. Voilà, on va également transférer un des drones de la fusée. On va le transférer ici pour lui donner un petit peu plus de punch, puisqu'on va avoir besoin d'un petit peu plus de personnes pour construire ces petites choses-ci. On va vérifier vite fait toutes ces petites choses-là également. Touk, malheureusement... On a remis ça. Oui, non, c'est bon. Pas qu'on peut rien faire. Toi, t'es loin, toi. Et c'est toi que j'ai pris ici. On va te faire réparer. Combien de temps as-tu? Combien d'heures as-tu? Ouais, 200 heures. Pas encore aller 7-8 heures peut-être, mais ça devient un petit peu juste. Ici, ça, pas de problème. Celui-ci, pas de problème. Et celui-ci s'arrêtera bientôt. Mais on ne le redémarrera pas à cause de la tempête des poussières. Donc c'est fait. On a également deux châteaux d'eau. Malheureusement, j'ai laissé celui-ci passer. C'est un petit peu dommage. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien y faire.
Pour le moment, on va fermer celui-ci, comme ça il ne me préoccupe plus et j'ai celui-ci qui reste en cours. Notre batterie, il faudra faire très attention à la batterie parce que c'est elle qui gère tout, à peu près pour le moment, puisque j'économise un petit peu sur les pièces mécaniques pour l'instant. All right, on est reparti. Je suis occupé avec ceci. Voilà. Tu vas me faire une petite route d'ici jusqu'à notre nouveau dôme. On va le mettre ici, quitte à bouger ça et la remettre au centre. On sait comment on fait maintenant. Ok. Les trois là, ils sont toujours bien occupés. Tout est bon. Ça. Ouais, si, malheureusement, il va avoir du mal à finir sa ligne à cause de la tempête de poussière. Ok, on surveille bien que nous ne nous fassions pas prendre avec l'énergie. Donc là, on est très bien pour le moment, ça va. Toi, c'est le plus abîmé. Ok, ben je vous remercie pour le petit message que j'ai reçu, le petit commentaire bien sympathique. Je vois qu'il y a quelques personnes qui aiment bien la micro-gestion. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein, il faut dire. Ok, ça c'est bon. On va également. Alors, 4. Ok. On va partir où il y en a le plus. Ça, il n'y a généralement pas grand-chose. Ah, on a un copain qui vient m'embêter. Toi, tu peux pas rester là. Non, tu vas pas rester là du tout. Bon, mais ben c'est sympa ça. Qu'est-ce que oui, ah ouais, tu es là. Hein? Ben, profites-en, viens ici, viens te. Pop. Alors, par où il va? Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Pour la fusée, ceux qui se demandent quoi, bien, j'attends d'avoir mes 30. J'attends d'avoir mes 30 bidules, là, mes 30 métaux rares, pour envoyer la fusée. Hein. Ça ne sert à rien d'envoyer avant. Je perdrai de l'argent inutilement. Donc, ah oui, toi, tu consommes aussi un petit peu d'énergie. Hein. Où est-ce qu'on en est dans notre énergie? Donc, je cherche toujours de 6 points. Maintenant, il faut que j'aille chercher livraisons de béton. Oui, t'es pas pressé pour ça, mon gars. Ah oui, t'en as quand même dans la poche. Alors, on va te laisser finir. Toi, tu en es où? Tu peux venir ici, toi. Viens me chercher ça pour pouvoir upgrader notre. Alors, qui est-ce qui dit qui est faible? C'est toi qui es faible? Ouais, si t'es faible, on va te repousser ici. On va te mettre ici. Non. Ouais, viens ici. Hop. Et puis agrandis-toi. On remettra tout ça proprement après. Il n'y a pas de risque hein, pour l'instant qu'on se fasse. N'ont pas besoin de prendre de pièces détachées. C'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, je vais prendre des pièces détachées, ce qui reste, parce que j'en ai plus besoin, logiquement. Peut-être d'en faire un bidule ici, mais on verra s'ils sont pas trop mal répartis. Donc, je vais me prendre toutes les pièces détachées qui traînent. On va prendre ça. Ouais, on fait comme ceci. Voilà, comme ça me permet. Et maintenant, je reviens avec ma touque. Il y en a déjà beaucoup là. Ah ouais, il y a déjà tout ça. D'accord. Bon, viens plutôt ici. Viens plutôt prendre ça. Breakthrough discovered. Ok, on a une automation. Ouais, c'est pas génial ça. Et ah. On va également charger ça. On revient
Malheureusement pour les bruits extérieurs, les fenêtres sont fermées, mais double vitrage malgré tout. La rue est très 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 bruyante. Donc, ça c'est toujours bon. Nous avons un petit bonhomme ici qui va venir dans le coin ici. Hein, toi, je t'ai demandé ça. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres. Alors, où sont les autres petits bonshommes? Toi, tu vas porter ça. L'autre, j'en vois ici. Toi, tu ne vas pas chercher du carburant. On va me chercher la deuxième. Voilà, comme ça. Beaucoup de choses à faire en même temps. Mais ça se termine. Alors maintenant, toi, tu peux me faire le chemin. Jusqu'ici. Ouais. Alors, on a trouvé une automation de l'usine. Ne sert strictement à rien pour l'instant. Ok, donc quand on construira notre second dôme, il me faudra 1 litre d'eau de plus, et puis il faudra que je prépare sans doute une deuxième ferme. Pas tout de suite, hein, dans une quinzaine de jours, hein, mais suivant donc le nombre de personnes qui viendra, et je devrais tirer. Je tirerai de l'eau à partir d'ici, à partir de celui-ci. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Donc, ça sera bien d'avoir les tuyaux supérieurs assez rapidement. En attendant les centres de navette, de toute façon. Alors, tu peux revenir te charger, mon ami. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans tout ça? Ça devrait être bien. Alors, toi, hop, viens ici. Ah, je vois qu'on a quelque chose de pété. Toi, est-ce que tu peux me faire ceci? Tu peux pas me faire ça. Pourquoi tu peux pas me faire ça? Est-ce que toi, tu es dans le. Tu devrais pourtant me le faire. Donc, tu vas le déposer, tout simplement. Et puis tu vas revenir me chercher. Tu vas revenir ici. Parce que j'ai besoin de toi. Oui, on perd 14. Père 14. Si celui-ci tombe en panne, on sera bien embêté. Je vérifie qu'avec la sauvegarde, ouais, il m'a changé, il m'a remis à 2. C'est un petit enfoiré, ça. 3, 3. Toi, tu peux repasser aussi en 3. Toi, tu dois être en 2. 1, 1 et 1. Ok, tout est bon. Alors, toi, est-ce que tu peux déjà. Tu peux venir ici? Oui. Right. Ok, on peut te laisser faire. Parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait. Toi, je voudrais que. Oui, pas maintenant. Ok, on est la nuit. Bâtiment non fonctionnel, oui, on sait que c'est toi. Alors, la tempête de météores dans un sol, bas niveau de ressources, on s'en fout totalement. On est à 70, après 80, 90, 100, et après celui-là, on passe au blé, qui rapporte plus et qui coûte moins. Toi. Ok, il y a déjà un drone en route, il y a un drone en route, c'est parfait. Sector scan. Alors, pas de ressources. 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Ok. On continue. Où est-ce qu'il est le drone? Il y avait un drone. J'avais un drone pour réparer ceci. Où est-ce qu'il est passé? Où est mon drone? Il est mort ou quoi? Je vais en avoir 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce?
Vous êtes pas sympa, hein, les gars. Alors, sincèrement, vous êtes pas sympa. Bon, voilà. Il a changé de job en cours de route. Je l'ai pas attrapé assez vite. Non, il a réparé celui-là, alors, je suppose. Ok, on fait 100% 212 heures. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc maintenant, il manque toujours du jus, ça dans tous les cas. Donc vas-y, mets ici. C'est celui-là que je verrai. Ah ben, à mon avis, il y en a deux qui sont au bar en train d'affiner. C'était bêtement ça. Par contre, toi, fais attention. Si celui-ci est réparé, ça ne devrait pas poser de problème. Même s'il tombe en panne. Voilà. On a 60 pour 50. Donc même s'il tombe en panne, c'est moins grave. Alors. 80, 174. 100. Et il est un petit peu moins bon celui-ci. Vous pouvez regarder, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Enfin, je veux dire, il y en a qui prennent plus de poussière que d'autres. Donc, je pense que je vais en ouvrir un après par ici pour voir. Celui-ci semble bon. Il fait plus du double. Celui-ci, par contre, il est un petit peu moins bon, je crois. On verra jusqu'où il va. Ok. Bon. Alors, est-ce que j'ai quelque chose de nouveau? Actuellement, rien. J'ai quand même un truc ici aussi, si j'y pense bien. Si j'y allais tout de suite. Mais je préférerais faire des... Non, on va pas aller tout de suite. On va d'abord essayer d'avoir des clés. Alors, toi, tu es rempli, ok. Toi, tu remplis celui-ci, 59 de 70. On va créer un nouveau, une nouvelle décharge ici derrière. Donc là, je pouvais... Ah, ici, je peux maintenant. Oh, le truc a disparu. Il a finalement fini par disparaître. Tiens, tiens, amusant ça. Je vais vérifier que tous nos gens sont corrects. C'est bon, c'est bon, c'est bon, et c'est bon. Ici. Bon, bon, bon. Ah, toi. 70. Demain, je te change. Enfin, après la nuit, je te change. Ok. Cela sent bien. Et il nous reste pour l'instant deux personnes. Excellent. Et un calme. Waouh. Calme, ça c'est excellent. On fera ça demain matin. Enfin, le matin. On fera ça au matin. Sector scan. Ok, les trucs ont disparu. Toi, tu t'es rechargé. Moi, je pense que tu pourrais déjà venir dans ce coin-ci. Tu pourrais déjà venir ici. Ok, donc tu continues à charger. Ben, tu vas les aider. Tire ton doigt de la touche espace. Ah, comme ça, ça fait beaucoup moins de bruit, hein, je crois. On n'entend plus les clics, clics, clics. Ah, ça va me faire plaisir. Et on reprend la route. Il y a encore la petite roulette de souris qui fait du bruit. Hein, mais c'est difficile de régler ça. Il faudrait un micro directionnel. Mais bon, je ne vais pas faire de frais de 100 euros pour ça. J'ai déjà acheté un Samsung Samsung Meteor là, 50 euros. Bah, je vais dire que j'en suis assez content. Là, il donne une bonne tonalité, je trouve. Enfin,
C'est mon petit avis. Ok. Ok, on va regarder nos personnes. Donc, toi, t'es bon. Toi, t'es plus terrible. Je stoppe un petit peu. Toi, t'es pas bon. Donc, monsieur Gunn, je vous vire. Oui, je vous laisse. Je vous laisse et je vous laisse. Ici, dedans. Vous, c'est pour après. Ok, c'est bon. Donc, il me faut une autre personne. Toi, tu pourrais. Et toi, t'es encore mieux. T'es calme. Voilà. Attention de vérifier parce qu'ils aiment bien changer encore. Alors, celui-ci, on pourrait le virer également. Alphonse, Antoine, le français. Ils sont jamais bons, les français, dans le jeu aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah ben, toi, tu me sens parfait. Voilà. On a toujours du monde ici. Puisque j'ai encore une personne de libre, on va le rajouter. Je ne sais pas. Ici, je le fais bien entendu pas pour le confort, mais je ne sais pas si la qualité, la productivité de l'infirmerie joue sur le boost de santé mentale pour l'hypochondriaque ou pour la récupération de santé pour les maladies chroniques. Je ne sais pas. Donc, on se tait quand on ne sait pas. On vérifie également si nous avons des gens verts ici. Verts en confort, hein, je disais. Non, on n'a rien du tout. Ok, on continue tout simplement. Alors, ça aussi, je vais le supprimer. Étant donné que j'ai 130 ici, ça fait faire du travail inutile à mes drones, parce qu'ils doivent aller prendre les trucs ici, les amener là, et puis venir de là, les amener là-bas, autant qu'ils les prennent d'ici et qu'ils les mettent directement là. Hein. Bon, 19h, tempête de météore. Pour le moment, toi, détérioré, toi, t'es encore bon. Ok. Toi, tu continues. Ah, on a une première anomalie et une clé. Hey, petite. Comme d'hab, il me fait toujours des folies. Où va-t-il? Bon, on va surveiller un petit peu. Hein. Et c'est vraiment un endroit qui ne me plaît pas beaucoup. Vous l'avez remarqué que c'est infernal. Infernal le nombre de trucs qu'on a par là. Ouais, là, ça va vachement vite. Ah, regardez ça, il y en a deux là. Oh là 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 là. Où es-tu? T'es mort, hein, je sais pas. Ah, tu t'es fait prendre. Bon, tant pis. Bah, reste là. T'as rien d'autre à faire. Et puis, dans 15 heures, on va voir si les météores nous tombent dessus ou pas. J'espère que non. J'espère bien que non. C'est toi qui m'inquiète le plus. Il te reste 3 jours. Un peu moins de 3 jours. 2 jours et demi de trucs ici. Toi, t'es bon. Ok. Parfait. C'est vraiment un endroit trop dangereux. Vraiment un endroit trop dangereux. Bon, pas ça. Living in cramped quarters, tinkering with machinery day in, day out. Plenty of opportunities for slip-ups. Qu'est-ce que... Visez-moi ça. Le mec, il est 100 de santé, 100 de santé morale, 70 de confort, 79, et ils arrivent à me mettre des traits négatifs. Normalement, on ne devrait pas avoir de traits négatifs. On devrait avoir des traits négatifs que quand il y a un problème de santé mentale. Hein. Il ne devient pas idiot comme ça tout d'un coup, ce mec. Bon, tant pis. Hein. T'es où maintenant, toi? T'es dans l'épicerie? Bah ouais. On va te mettre dans...
On va te mettre. C'était un jeune colon, ça. 16, ouais. Non, c'est pas un martien pourtant. Bon, on va te placer ici dedans si on peut. Donc, toi, tu es calme. On va te virer de là. Théo, fera ça demain matin. Bon, de toute façon, tu es là, tu gênes personne. Hein. Non, l'autre touche, Marc. Alors, on va stopper ici. Donc, toi. Bon. Ils ont l'air pas trop mauvais. On va peut-être ouvrir une deuxième ligne. Combien j'ai de personnes de libre? Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est un petit peu juste où on sont, mais j'ai deux enfants, trois, mais il faut 3 jours avant qu'il y en ait un qui vienne. 3 jours avant qu'il y en ait qui viennent. Est-ce que je n'aurais pas un... Parce que les ados, quand ils passent ados, ils ne sont pas tout de suite pris. Voilà, vous voyez, j'en ai un sans emploi ici. Et j'en ai un deuxième sans emploi. Alors qu'ils me met ici, c'est pas eux. Vous voyez, c'est pas eux. Donc ils ne sont pas encore pris, ils attendent le lendemain pour être mis en truc. Donc je vais pouvoir ouvrir une nouvelle ligne. On va prendre nos ados, nos deux nouveaux ados. Alors toi, plus t'es calme, t'es génial. Ensuite, toi, robuste, c'est bon. Robuste va nous permettre de tenir plus longtemps. Sans résidence, puisque ces gens-là n'ont pas le même problème, ils ne perdent pas. Vous perdez 30 si vous êtes, si vous avez une personne qui n'a pas de résidence, il perd 30 de confort. C'est beaucoup. Et par contre, si la personne est robuste, elle ne perd rien du tout. Elle ne perd rien du tout. Donc c'est très intéressant. Et nous en avons quand même quelques-uns, je pense. Talent, nous avons 5 robustes. Donc on peut se permettre 5 places. On peut aller jusqu'à 43. Maintenant, grâce à ceci, j'ai un peu plus. Mais ça, c'est très. Si vous n'avez plus d'enfants, il sert à rien. Alright, on se comprend. Donc, on a 2 personnes en plus. Moto. Nous avons 1 et 2. On va regarder si je peux en remplacer encore. Toi, ouais. Toi, tu viens également ici. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Toi, tu es parfait aussi. Voilà, comme ça, j'en ai 4. Ensuite, on peut remettre cette personne ici et le dernier ici. Donc, ça me semble pas mal. Et j'ai plus personne cette fois-ci, c'est bon. Right. Bon, on monte un petit peu plus haut. 3,5. Et on a réussi à faire ça, donc c'est bon. Où en a-t-on dans l'énergie? On gagne toujours 10. Ça devrait être suffisant. Par contre, toi, j'ai un peu peur que tu me lâches. Bon, ça tombe bien. Bon, ça y est, j'ai une panne de vue parce que celui-ci est tombé en panne. Et celui-là. Ok. Alors, il faut quelqu'un. Viens jusqu'ici. Puis il m'en faut un second. Ça, c'est embêtant quand ils tombent tous les deux en panne.
Et le second, toi. Viens me prendre ceci. Ensuite, nous allons tout simplement fermer la raffinerie. Et pour l'instant, nous avons l'air en puissance suffisance. Dans 65. Ouais, il ne doit pas manquer grand-chose d'électricité. On va couper l'eau quand même. Comme ça, on est tranquille. Et toi, tu es au niveau 1. Alright. On gagne 3. Ok. Donc toi, tu me fais. Donc celui-ci, il a fait combien? 205 heures. On va plutôt en ouvrir un autre, on va regarder si c'est pas mieux. Voilà. Donc toi, tu me fais celui-ci. Toi, tu peux déjà. Ouais. Tu me fais celui-ci. Ouais. Toujours cette pause. J'ai du mal à. L'avantage de la pause, c'est qu'elle est du bon côté. Comme je suis droitier, j'ai plus facile là. Encore un. Donc, toi, je vais te fermer, tout simplement. Sector scanned. Est-ce que j'ai quelqu'un dans le. Dans le rouge ici? Hop, oui. Petite pause. Est-ce que j'ai de la place ici? Personne en vert. Non, personne en vert toujours. Dommage. Donc, maintenant je peux venir te réparer. Ok. Alors, je peux venir te réparer. On va. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous là-bas. Alors, vous faites quoi, les gars? Rien. Rien et rien. Bien, toi, tu viens ici. On va espérer qu'on peut aller jusque-là. Ouais, non, l'autre bouton. Vehicle battery low. Jusqu'ici, très chauffé, vite fait. Ouais, ça va. Malheureusement, il peut venir là-dedans, mais bon, tant pis. Ça c'est ouvert ici. 69, il m'en faut un nouveau également. Voilà. Et voilà. Ouais, comme j'ai bougé, c'est automatique. Sector scanned. Alors, ça avance. Bon, ici, j'ai plus de place pour les. Et là, les gars. 10, c'est beaucoup ça. 10 et 10. Quel est votre problème? Quel est votre problème, messieurs? Bon, toi, tu vides. Ok, tu vas directement.
directement venir me prendre ça. D'accord, vous voyez pourquoi? Ils font tout le tour comme ça. C'est complètement fou. Alors qu'ils savent circuler ici quand même. Ça, c'est un vieux truc qui traîne là. Hop. Bon. Voilà le problème qui se pose. Et là, je ne peux pas leur mettre ça. Parce que si je leur mets maintenant à nouveau, ils vont s'amuser uniquement à faire ceci. Bien. Tu l'as réparé? Réparation en cours. Ah, je dois rester près de lui ou quoi? Ok, ça va aller. Ça va aller. Bon, j'espère qu'il n'y a rien qui se passe. Non, là, tout me semble bon. Ok. Maintenant, tu vas récupérer une nourriture. Non, mon gars. Tu viens ici. Tu vas pas récupérer une nourriture. Alors, le mec, il prend de là-bas. Il se prend un job ici dedans. Et il bloque une autre personne pour prendre le job. Là, messieurs, l'intelligence artificielle... Le code qui a été fait par les développeurs des Nimons, c'est quand même des mecs qui ont développé Tropico 5 bidules, quoi. 5 fois le Tropico et d'autres choses. Ils devraient quand même avoir un minimum de compréhension de ce truc, quoi. Il n'y a pas de drone, ouais. C'est peut-être la première fois qu'ils jouent avec des trucs comme ça. Ben, il y avait quand même des civils qui se promenaient, hein. Bon. Il y a le président aussi hein, qui se promenait. Bon, alors, on continue. J'ai coupé le jus, moi, comme un idiot. Il a connu une défaillance, donc c'est pas la peine. Et toi? Ok, toi, tu veux encore. Right, c'est bien. Quel dommage, j'ai oublié. Ça arrive. Là, je perds encore 7. C'est peut-être beaucoup. 7. Non, ça va. 7 sur 129. Le petit drone. T'en fous du temps, mec. Ok. Toi, tu viens de changer tout ce qu'il fallait ici. Ah, regardez-moi ça. Ah, ça y est, on est dans tempête durée restante. Ok. Et donc, ça vient de nous tomber dessus. On n'a quand même pas trop de chance, hein, les gars. On n'a quand même pas beaucoup de chance. Hein. Bon, il va falloir décamper de là. Ah, bon, ok. Donc, ouais. Ah, j'ai une deuxième clé, ça c'est bien ça. Et toi, je t'ai oublié, bien entendu. Idiot. Hein. Bon. Oui, eh ben c'est un peu compromis pour tirer le maximum ici. Bon, il reste plus beaucoup. Hein. Il reste plus beaucoup. Par contre, mes drones... Bon, écoutez, on va se la jouer hein, pas trop vite quand même, celle-là, je crois. On va se la jouer pas trop vite. On va ralentir un petit peu. Parce que je veux pas me faire tuer. Je veux pas me faire tuer un de mes camions. Waouh, c'est mieux au ralenti, je trouve.
Ok, toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Je dois déjà avoir pas mal de béton ici. Oui, on va le ramener encore. Donc, viens me faire, viens prendre ici du béton.